capitale économique du Vietnam, Ho Chi Minh Ville est une cité frénétique, entreprenante et impétueuse. Posée au cœur d'une plaine basse et humide, d'un vert éclatant, Ho Chi Minh Ville, que l'on continue bien volontiers à appeler Saigon, a connu 95 ans d'influence française et résisté aux Américains. Aujourd'hui, elle fait preuve d'un insolent dynamisme économique et son niveau de vie est supérieur au reste du Vietnam. Une foule pressante dans les rues, des marchés grouillants d'acheteurs et de vendeurs, des boutiques de luxe, des édifices coloniaux, des pagodes qui s'érigent en havre de paix. Saigon, c'est tout ça à la fois. Mais c'est surtout une cité tournée vers les affaires qui attire toutes les ambitions et tous les espoirs. Pour apprécier la navigation sur le fleuve légendaire du Mekong, Rivage du Monde a choisi le petit navire, la Marguerite. Ce petit bateau est parfait pour découvrir les paysages, l'activité du delta du fleuve et celle de ses habitants. Intimiste, notre élégant navire de seulement 46 cabines accueille un maximum de 92 passagers. À bord de cette petite unité qui fait référence à Marguerite Duras, nous sommes alors aux premières loges pour assister au spectacle fascinant et intense qu'offre cette région tout au long de notre croisière. Mesdames, Messieurs, chers passagers, bonjour. Bienvenue à bord de notre bateau, la Marguerite. Nous allons voguer sur le Mekong à la découverte de la vie des habitants du fleuve, des capitales Saigon et Phnom Penh, jusqu'au mythique temple d'Angkor. Au nom de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. Les espaces communs de la Marguerite allient subtilement les matériaux exotiques et les meubles locaux, le tout recréant une atmosphère invitante au voyage et rendant hommage à l'écrivaine française. Construit en 2009 à Saigon, notre bateau dispose de larges ouvertures sur le fleuve. Au pont panorama, le lounge bar décline une décoration à la fois sobre, élégante et chaleureuse. Le voyageur se retrouve ainsi dans une atmosphère cosy et raffinée, comme pour remonter le temps d'une époque ancienne. Équipé d'un espace de remise en forme et de deux salons de massage, le Pont Soleil nous invite à la détente avec ses nombreuses chaises longues, ses salons d'extérieur et son bar. Une petite piscine complète l'installation de cet espace dédié à la décontraction. Le restaurant panoramique de la Marguerite nous accueille tout aussi agréablement, avec un service irréprochable et des serveurs attentionnés. Confortable et lumineux, l'endroit nous permet de déguster une cuisine locale et continentale raffinée, tout en profitant de la vue sur le fleuve. Qu'elle nous soit servie sous forme de buffet pour le déjeuner ou à table en soirée, le chef nous propose des mets délicats, inspirés des traditions locales, tout en s'adaptant subtilement à nos palais occidentaux.
spacieuses et confortables, les cabines sont réparties sur 4 ponts et elles sont toutes extérieures. Toutes les cabines sont climatisées et équipées d'une armoire, d'un bureau, d'un mini-bar, d'un coffre-fort et d'un sèche-cheveux. Au pont principal, les 8 cabines, d'une surface de 20 mètres carrés, disposent de 2 hublots non ouvrables. Les 16 cabines de luxe du pont supérieur et les 14 cabines de luxe du pont Panorama, d'une surface de 20 mètres carrés, sont équipées d'une fenêtre et d'une large baie vitrée ouvrant sur un petit balcon. Le pont Soleil est quant à lui constitué de 6 junior suites d'une surface de 26 mètres carrés, avec en plus un lit king size. 2 plus grandes cabines de 41 mètres carrés, avec leurs terrasses privatives, viennent couronner ainsi de façon prestigieuse l'hôtellerie de notre joli navire. Bonjour. Alors, ce matin, il fait beau. On va partir pour la visite d'une petite ville au bord du Mekong, la ville de Kebe. On va visiter les vergers de l'île et pour observer aussi les activités des habitants locaux là-bas. À 115 km de Saïgon, au carrefour de 3 grandes provinces, se trouve la ville de Kebe, l'une des plus grandes productrices de denrées végétales au Vietnam. En poursuivant à pied, nous découvrons l'élégante cathédrale néo-gothique française du 19e siècle, vestige de notre présence passée. Ça, c'est la mangue. Je mange du durian. C'est un fruit excellent des Vietnamiens. En allant à la rencontre des habitants, nous voici invités à découvrir une petite fabrique artisanale et surtout familiale. Les secrets de fabrication des galettes de riz pour la préparation des rouleaux de printemps. La confection de bonbons à la noix de coco. Et le spectacle de la cuisson du riz soufflé nous sont alors dévoilés en toute simplicité. Notre bateau continue sa navigation vers Sadek. Cette ville conserve un peu de cette ambiance coloniale évoquée par Marguerite Duras dans son œuvre. Née à Saïgon, l'écrivaine vécut à Sadek une histoire d'amour passionnée avec le fils d'une famille chinoise. Il lui inspira son célèbre roman « L'amant ». La maison de l'homme chinois, citée dans son livre, est aujourd'hui un musée. Avant de rejoindre notre bateau, un irrésistible petit détour par le marché local offre à nos yeux occidentaux un spectacle haut en couleur. Kilomètres de la frontière cambodgienne, entouré de rizières, Tan Chao est un village animé et commerçant, particulièrement réputé pour le travail de la soie et pour son artisanat. «
Parmi les savoir-faire de ses habitants, nous découvrons une fabrique de nattes traditionnelle. Celle-ci est tissée de feuilles de palmier, d'alfa et de jonc. L'aquaculture est une activité économique importante dans le delta du Mékong. La visite d'une ferme piscicole nous en apprend davantage sur les techniques d'élevage vietnamiennes. Le fait que Phnom Penh n'ait pas toujours été la capitale du Cambodge et de notoriété publique, elle ne l'a été que très récemment, 1865, avec les Français qui ont décidé de bouger la capitale de Hudong à Phnom Penh. En dehors de cela, il y a des moments forts dans l'histoire de Phnom Penh qui correspondent à ces périodes glorieuses du Cambodge au XXe siècle, comme le Phnom Penh des années Sihanouk, c'est-à-dire 1955-1970, années pendant lesquelles le Cambodge brillait de mille feux. Et puis la guerre est venue, lorsque Phnom Penh a été vidé de sa population en 75. Et puis après, le retour à la normale, à partir de 79, la renaissance. Et actuellement, ce que nous vivons, c'est aussi une nouvelle révolution, avec des immeubles, des tours quasiment partout. On se retrouve avec une ville de gratte-ciel. Les gens qui sont venus il y a 5 ans, de retour aujourd'hui, ne reconnaîtraient certainement pas la ville qu'ils ont connue à l'époque. Jadis perle de l'Asie, Phnom Penh a souffert de la guerre et de l'impitoyable domination des Khmers rouges. Mais elle a depuis su renaître de ses cendres pour devenir l'une des capitales les plus plaisantes de cette région du globe. Son emplacement privilégié au bord du Mékong, les flèches scintillantes du palais royal, ses pagodes, le tumulte des véhicules envahissant les avenues du quartier colonial, Phnom Penh allie un certain charme nostalgique qui lui reste du protectorat français à une turbulence et une modernité anarchique commune à bien des métropoles asiatiques. Avec ses toits khmers classiques et ses dorures, le palais royal domine la ligne d'horizon de la capitale. Caché derrière un mur d'enceinte, cet ensemble splendide est constitué de jardins, de palais et de pagodes aux toits dorés ponctués de flèches effilées. La pagode d'argent est sans nul doute le clou de la visite. Le musée national du Cambodge occupe un ravissant ensemble de bâtiments construits à l'image d'un temple khmer traditionnel. Il regroupe la plus importante collection du monde de sculptures khmères couvrant une période allant de la préhistoire au XIXe siècle.
kilomètres au nord de Phnom Penh, au milieu du Mékong, nous découvrons l'art du tissage de la soie, encore abondamment pratiqué ici, dans la pure tradition khmer. Bienvenue à Koh Dach. Ici, nous sommes sur l'île de la soie. Et ce matin, nous allons visiter l'école primaire du village. On prend le tuk-tuk, on fait un petit tour sur l'île pour voir la vie quotidienne, le métier à tisser. L'hospitalité naturelle de ses habitants et la candeur de ses enfants nous offrent un véritable moment de partage et de sincérité. La Marguerite nous emmène maintenant dans le village d'Angkor Ban. Angkor Ban est l'un des très rares villages à ne pas avoir été incendié ou détruit pendant la période des Khmers rouges. Nous sommes actuellement à Angkor Ban et nous allons visiter les maisons traditionnelles khmers. Une habitante nous invite à entrer et à visiter sa maison traditionnelle khmer. Et cette maison, elle a plus de 100 ans. Oui. C'est une maison en bois sur pilotis. Située au sommet d'une colline, Wat Tan Che est un complexe de temples hindous et bouddhistes surplombant le Mékong. La structure la plus remarquable de ce complexe est son sanctuaire en briques datant du 7e ou 8e siècle. À Kampong Cham, nous découvrons le temple Wat Nokor. La construction de ce monument bouddhique aurait débuté au Xe siècle. De remarquables fresques ornent ce temple de style pré-angkorien, un endroit ici confidentiel, comme pour introduire la visite tant attendue des mythiques temples d'Angkor. Maintenant, vous pouvez écouter.
visiter votre création. Fondée au IXe siècle par un ambitieux roi khmer et capitale du puissant empire qui domina une grande partie de l'Asie du Sud-Est, Angkor et ses ruines fascinent. Les proportions considérables de cette cité, la beauté sans pareille de ses sanctuaires de pierre et le mystère de sa disparition font d'Angkor un ensemble archéologique aussi célèbre qu'énigmatique. Pendant près de six siècles, l'Empire Khmer, dirigé depuis Angkor, étendit ses frontières et développa un art et une architecture uniques. Devenu le symbole du Cambodge, Angkor Wat est le temple le plus célèbre. Ses élégantes tours en boutons de fleurs se dresse harmonieusement vers le ciel. Des douves de 1,5 km entourent ce temple aux dimensions colossales, combinant toute la finesse de l'art khmer à l'ingéniosité architecturale. Contrairement à tous les autres temples d'Angkor, Taprom a été laissé à l'abandon avant d'être redécouvert au début du XXe siècle. La nature y a repris ses droits et racines et troncs massifs jaillissent aujourd'hui d'entre les ruines. Les arbres ont parfois détruit ou parfois soutenu les murs, comme un lent et spectaculaire combat entre nature et architecture. Bantesrei, ou la citadelle des femmes, est un bijou sculpté dans le grès rose qui change de couleur selon l'ensoleillement. Plusieurs pavillons sont très bien conservés et les façades sont finement sculptées d'une multitude de motifs fleuris et de scènes de la mythologie hindoue, telles de véritables dentelles. Ainsi s'achève notre voyage au fil du Mékong. À bientôt pour voguer, échanger et rêver ensemble avec Rivage du Monde.